Comment ça a pu être possible? Il n'y avait jamais penalty. Sako HD m'a donc battu. Et il doit rester le seul. Versus Team Vinsky. Les défis ont été envoyés par Julien sur Twitter. Suivez-le, Julien Uchiwa. Dans le dernier épisode, j'avais perdu face à Psychos HD à cause d'un penalty plus que litigieux. Julien, tu n'as pas le droit de perdre parce que je suis ton coach aujourd'hui. Pour cet épisode 3, avec Julien, pas le droit à la défaite. Le premier match, c'est Julien qui jouera tout seul. Il affronte El Mago 22 HD et son équipe de France. Julien qui se rend le match facile avec l'ouverture du score à la 15e minute de jeu. J'aurais pas dû aller. Oh la vache. J'aurais pas. Je suis désolé, un réflexe. On appelle ça un réflexe de survie. Désolé. Et pour vous montrer un petit peu la mentalité de la team à la Vinsky, regardez cette séquence de jeu. Bien sûr qu'on va mettre, bien sûr. On véhicule de la bonne humeur. La bonne humeur et de la joie, je viens. Peace and game, on se rappellera toujours. Peace. La prochaine fois, je la mets. J'ai envie de voir Kabela à l'œuvre. Tu mets Kabela à la place de Mata, s'il te plaît, Julien. D'accord. Kabela, tu rentres dans le match. T'es jeune. Christian Menteke. Il défend très bien. Franchement, faut dire qu'il a une moins bonne équipe que nous, donc il a vraiment du mérite de tenir face à cette équipe de BPL qu'on appelle le rouleau compresseur de manière plus commune. Fais-lui, Hazard ! Fais-lui ! Oh, il a mis 10 ans à Mais tirer. Putain ! Pourquoi il met 10 ans à tirer, s'il vous plaît ? Punition. Par contre, je veux pas de but, Julien, dans ce match-là, parce qu'on a quand même une équipe beaucoup plus forte que lui. Ouais, je te donne un petit défi. Il est beaucoup plus fort, il a quand même Benzema. Julien. Au final, victoire 2-0. Julien a répondu à mes attentes et confirme son niveau de jeu. Pour le second match, Julien et moi jouons ensemble. Maintenant, on va jouer tous les deux. C'était pour voir si Julien pouvait se débrouiller. C'était un peu un test pour mon poulain. En fait, il voulait voir si je gagne comme ça et qu'il garde dans son équipe. Benteke Rémi en point parce que je veux de la vitesse. Kabela parce que je veux de la percussion. Touré parce que je veux quelqu'un de physique. À l'équipe de l'adversaire. Ouh, elle est mignonne son équipe. J'aime bien. J'applaudis l'originalité. Ça sera contre Yatak, YT. Y a pas faute. C'est n'importe quoi, ça commence n'importe comment ce match. Hé, il m'a tiré le maillot. Ça y est, il est excité. Ouh. J'adore quand tu joues comme ça, Vincent. Moi aussi. Je veux de la percussion aérienne. De la percussion aérienne. Oh la vache. Bon, le beau pressing. Loïc. Kabela. Kabela. Félicite-le, Christian, c'est bien ça. Ouais, ça, c'est l'esprit d'équipe, ça. Après ce but de Kabela, on se fait égaliser à la 30e minute de jeu. Attention, c'est cause HD d'en rester le seul. À tout prix. J'ai vu Christian Metteke. Allez. Il a anticipé la fin de deux. Ah, c'est Yaya Touré. T'es un peu déçu. Si, t'es un peu déçu, ça se voit. Ah, je pensais que t'allais repiquer. T'allais je l'ai pensé aussi, je l'ai pensé. Putain, je t'avoue. C'est vrai? Tu avais pensé? Non, je rigole. Ok, c'est pour Kabela, on sait qu'il est en technique. Faute, c'est ce que je cherche. Faute! Yaya Touré. Yaya Touré! Toi, t'as vu mon tutoriel? Se marcher dessus. Attention à Gareth Bale, on va aller trop vite, Julien! Garibay, il est beau, un peu de Volvic. Vraiment beaucoup trop fort. Finalement, on remporte le match sur le score de 3 buts à 1. Bon bah... ouais, hein. Le troisième et dernier match, on affronte Spursinho et sa BPL à forte teneur en Argentin. Bolassi, allez. Je repique. Oh, Vargas, ça sent, il est petit sur la tête, tu démarques, il n'y a plus de la tête. Oui, il s'est emmêlé les pinceaux. Il s'est emmêlé les pinceaux, Benteke, vas-y. Tu peux mettre en avant son air. Oh. C'était quoi ce bruit? J'ai joui. Ah, je t'ai fait la passe après. Allez. Putain, je dois remettre dans la foule. Ouh. Julien, vas-y.
Mais il nous respecte pas. Allez, il y a tout. On sentait que l'adversaire voulait nous humilier. Christian. Je sais pourquoi il a mis Courtois. Il marque pas, marque pas. Ah, désolé. Je voulais la remettre au goal. Ah putain, je voulais la remettre, pas compris, je voulais la remettre au goal. J'ai fait un... Et comme pour le premier match, on continue à véhiculer le même état d'esprit. Hugo, qu'est-ce qu'il fait? Allez. Oh, il avait vu, il connaît trop les vidéos. Il sait très bien que j'ai fait quelque chose avec Betteke. Ouais, mais putain, mais ouais, ouais, mais je suis trop con. Ah, lui, mais il me connaît par cœur. C'était lui là. Bon changement, non? Vas-y, change. Moi je suis chaud pour enlever Varga, ça sert à rien, sérieux. Hey, t'as calé. Non, sérieux, Varga, genre t'es le là. Vas-y, on va. Pourquoi pas mettre Hazard aussi? Faut gagner. Moi je kiffe Eden Hazard. Ouais. J'aime beaucoup. Pourquoi pas mettre Hazard aussi? Bon, allez, Mata. Allez, Mata. C'est un peu le Joker fétiche, le Joker en or. Bon, ça joue. Va, va. T'aimes pas trop Vargas, moi je l'aime bien! Oh putain! Benteke il est pas dedans, sérieux, franchement. Laisse-lui le temps, Julien, laisse-lui le temps! Psst. Allez! Battez-vous! Mais putain, c'est vrai, ils se battent pas! Hein. J'ai appuyé 20, 26 fois. Gardien! Allez, va! Putain! Il la regarde ça! Oh, c'est Mias, non? C'est bon. Oh, bah c'est bon! Bon, il super! Julien, je peux percuter avec le Grémy. J'essaie de. Je t'ai vu! Hashtag casse dalle. T'as plaisir. Il me lance de la merde. Il me dit fais-toi plaisir. Il ose. Julien, je veux la victoire. Hein. Attends, qu'est-ce qui se passe? Les 5 minutes de jeu. Hé hey. Julien, tout seul, vas-y tout seul. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? By Christian Benteke. Pace generated by Benteke. Putain, le poteau! Rémi, qu'est-ce que tu fous? Tu dois la planter! J'ai eu la grosse tête de bête. Oh, affreux. On se ralentit. Benteke est là, Julien. Tu l'aimes pas trop, mais il y a toujours. Non, il est toujours là pour nous. Benteke, je peux pas l'aimer. Mais là, il a du mal dans ce match-là. On le voit pas. Attention. On le voit pas. Qu'est-ce qu'il me raconte? Regarde l'accélération de Benteke! Non, c'est toi qui l'as. C'était Yaya Touré. Touré et. Ouais. Oui! Bien joué! Yaya Touré, voilà. Ouh. Deuxième. Deuxième! Pourquoi tu n'avais pas la deuxième? J'avais fait une retournée splendide pour les abonnés. Pourquoi il l'a pas mis en deuxième? Pour les abonnés. Oh la vache. Putain, mais l'accélération à Goro, c'est ouf. Ouh. On n'a pas perdu. On a gagné nos 3 matchs. On a gagné nos 3 matchs. Bon, en fait, première mi-temps, je crois qu'on n'a pas... On n'est pas rentré dedans, quoi. Et après, la deuxième mi-temps, on a posé notre jeu. On a joué un peu plus simple. Et au final, on a réussi à le dominer. En tout cas, franchement, Julien, on a joué 2 bons matchs quand même à 2. Ouais. Ça fait quand même... Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué ensemble. Et on a pu voir qu'on se débrouillait pas mal. Et ça envoie un message fort à Prime Time Foot qui nous a dévié sur Twitter. Il a dit qu'il voulait jouer contre mon cousin et moi en même temps, apparemment. On est là. Ok, les gars, si vous avez aimé, un like. Si vous avez pas aimé, un dislike. C'était Vinsky, Julien, au platine. À la prochaine, prenez soin de vous. Peace and game. Oh putain, la synchronisation. Ça c'était de la synchronisation de bâtard. Fusion.